Quand on entre dans un hôpital, alhamdoulillah, on a des hôpitaux comme ça, attention. Le but, c'est pas de critiquer ce alhamdoulillah, c'est par la grâce d'Allah Ta'ala. Mais c'est la critique n'est pas là. On a de bons hôpitaux qui ont un matériel hyper sophistiqué, à la pointe de la technologie, etc., etc. Mais il y a aussi une chose très frappante dans les hôpitaux qui ne doit pas nous aveugler sur la réalité. C'est que ces hôpitaux accueillent de plus en plus de patients. Et ça en dit long sur le climat moderne. Et qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau des hôpitaux, c'est qu'ils n'arrivent plus à supporter ou à prendre en charge ce nombre sans cesse croissant de malades. C'est-à-dire qu'il n'y a pas bon vivre, il ne fait pas bon vivre. Et l'une des choses que je mets en évidence dans le livre, c'est que la modernité, en fait, ne fait que fabriquer des remèdes aux maux qu'elle a elle-même créés. Elle ne fait que fabriquer des pensées, des remèdes aux maux qu'elle a elle-même créés. Donc quand on critique la modernité, on ne critique pas tel ou tel bien. On critique les racines, c'est-à-dire le socle. Sur quoi est basé sur le monde moderne? Eh bien, il est basé sur des critères qui, d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, ne sont pas valides ou sont erronés. C'est un monde qui est bâti, fondé sur un socle erroné, faux, bien qu'il contienne quelques vérités ou quelques biens accidentels. Mais ces quelques biens, ces quelques vérités accidentelles ne doivent pas nous aveugler sur sa réalité fondamentale.